tout le monde, comment ça va? On se retrouve ce soir pour le stream sur Horizon Forbidden West, qu'on a commencé hier soir, puisqu'il est sorti hier soir, hein, je rappelle, enfin, hier à 16h. Donc, petit topo sur où est-ce qu'on en est dans l'histoire. On en est vraiment au tout début, on a fait que 6 heures ensemble pour l'instant. En fait, on retrouve Aloy, qui est en train de se battre contre la Nielle, qui est une sorte de végétation qui envahit tout et qui détruit tout, que ce soit forme de vie végétale ou animale. Et elle essaie de retrouver une copie de Gaïa, cette IA qui est là pour dans la terraformation de la Terre afin de relancer une terraformation normale de la planète. Sauf qu'elle n'arrive pas à trouver cette copie et sa dernière piste s'est estompée. Il s'avère qu'elle s'est rendue compte que Silence, le Banouk qui l'avait aidé dans le premier opus et qui était indirectement responsable de la libération de Hadès dans le premier opus, l'avait grugé et avait récupéré Hadès afin de trouver des indices sur la potentielle présence d'une autre copie de Gaïa qu'elle pourrait récupérer, par exemple. Ou de savoir d'où venait ce fameux signal qui a libéré les entités de Gaïa. Et donc, salutations tout le monde, salutations Berserkia, salutations Jack Grimm, salutations Maxime, salutations Nidnerolf, salutations Tregator, salutations Astral, salutations Kenji, salutations Zayman, salutations Lolos. Installez-vous tranquillement, ensemble jusqu'à 23h. Comme toujours, un petit peu de holy pour vous désaltérer. Là, je suis avec le holy hydratation au citron, qui est assez fort en bouche, je vous le cache pas, mais qui est très très bon, et très acide. Donc il y a du peps, c'est plutôt cool. Bref, donc là on était vraiment tout juste sorti de la map du premier jeu pour entrer dans l'ouest prohibé. On n'était pas encore arrivé dans l'ouest prohibé, puisque on était arrivé au niveau de, je me rappelle plus le nom de la ville, mais c'est pas grave, une petite bourgade qui est juste à la sortie des terres sauvages, où il y avait quelques... Oh, il y a un téléchargement sur Horizon Forbidden West. Un patch d'Aiwen, ok. 200 kilos. Où donc il y avait quand même pas mal de choses à régler. Voilà. Et ça sert plus ou moins de tutoriel, de zone tutoriel, on va dire ça comme ça, véritablement tutoriel, monde ouvert, un petit peu à la manière du berceau de la mer, dans le premier opus. Sachant que là on attend l'arrivée, enfin, on attend une ambassade qui permettra de débloquer le passage dans la vallée. Et c'était sans Manu. Alors, bien entendu, là pour l'instant on est sur Horizon Forbidden West, mais si CCIG, genre dans 1 heure, nous balance le « Hey les gars, PTU par rapport au Ceramishing », on ira dessus. Donc je compte sur vous pour m'alerter par rapport à ça. Et ça t'as en Big Pack. J'ai pas les yeux sur les news, donc voilà. Bref, sans plus tarder, je propose qu'on se lance et qu'on retrouve notre cher Aloy pour essayer d'atteindre l'ouest prohibé, comme dit en français. Alors évidemment les logos qui mettent du temps. Vas-y, s'il te plaît, le jeu. Bébé. C'est quand tu veux le jeu que tu te lances convenablement, hein, s'il te plaît. Ça y est. Ah la vache. Long chargement. On continue. T'as vu l'essai? Ouais, on en parlera lorsque je ferai le stream sur SC, je vous rassure. Mais oui, ça va être intéressant. Après, c'est que des trucs qu'on connaissait déjà, hein, en soi. Les shaders. Potentiellement, oui, les shaders qui devaient se... qui devait charger. Donc oui, c'est vrai qu'on avait fini cette partie-là hier avec le prêtre qui était en mode non mais je veux voir la lumière du soleil pour avoir la révélation qu'il n'a jamais eue, et il est mort à cause d'une perforation au poumon. Classique. On a quand même une quête secondaire qui sont disponibles. Ça là, je peux pas la faire encore. Ça, je vais pas la faire, ça sert à rien. Donc je crois qu'il nous reste plus que... Ouais, c'est Skorok le nom de la ville. Il nous reste plus que à faire l'objet principal et on est bon. Voilà, la quête principale et on est bon.
Bon, je peux monter une... On va monter une coureuse... piratée. Bazarka qui dispo potentiellement, j'ai la démo et vu mon PC, ça la charge pas mal là et je vois bien écrit. D'accord, ok. La version démo, bien entendu. Et il tourne sur ton PC, Berserkir Horizon ? Mais derrière, je trouve qu'il est relativement gourmand, même si bon. Voilà quoi. Il reste relativement bien optimisé comparé à Dragon's Dogma 2, visiblement. J'ai pas encore vu les replays des créateurs de contenu sur Dragon's Dogma. À ce qui paraît. Pas l'air fou. Trigator qui lui manque un peu moins de 200 euros pour passer concierge sur Star Citizen, je vais craquer. Ça tombe bien, c'est le prix du F7 CMK2. Désolé, non, je déconne, Trigator ne le fais pas. D'ailleurs, il y a la phase 2 qui a commencé aujourd'hui. On va se pirater une petite coureuse. Je peux pirater l'une de ces coureuses. Je dois me rapprocher discrètement pour pas effrayer le troupeau. L'avantage, c'est que j'ai le déplacement silencieux maintenant avec cette tenue. Allez, direction Cagnard. On est parti. Sois la bienvenue, étrangère. C'est cool, il maintient la vitesse maintenant. La monture maintient la vitesse. Ça, c'est agréable. Il y a de la mienne ici aussi, putain la vache. Cagnard, nous y sommes. Cagnard, le dernier bastion de l'Hélium avant l'Ouest prohibé. On a quelques missions secondaires sur place. Elle annonce peut-être le début de l'ambassade. Doucement. Ça venait de là, les bruits que j'entendais la dernière fois. Bon. Je dois trouver qui commande ici. Mais d'abord, il faut que je fasse le plein dans ma réserve. Et je pourrais peut-être fouiller un peu. Mais c'est la sauveuse de Mérignan. Ah, Kérouf. Non, non, je confonds avec l'autre. Dis-moi, est-ce que tu ne chercherais pas à entrer dans la terre de nul homme par hasard ? Peut-être. Pourquoi cette question ? Ah, eh bien pour oui, mon chat. Il y a des trésors dans l'Ouest. Des pièces qui n'appartiennent à personne et de l'ancienne ferraille. Et j'ai un bon groupe de ferrailleurs robustes qui connaît bien la région. T'as pas peur des ténacs ? Bien sûr que si. Mais je gagne principalement ma vie dans la terre de nul homme. Parce que c'est un territoire neutre, voilà tout. Cagnard, c'est notre porte d'entrée. Enfin, quand ces portes ne sont pas fermées pour une ambassade. J'espérais qu'avec ton arrivée, ils allaient pas tarder à ouvrir. Parce que j'ai une affaire à faire tourner, moi, après tout. J'ai aussi hâte que toi que cette ambassade commence. Crois-moi, j'y travaille. Ah, c'est bon à savoir. Et nous oublie pas. Si tu parviens à ouvrir le passage, notre camp principal se trouvera juste après Cagnard. On achètera toute la ferraille que t'auras sur toi. Et si tu cherches des pièces de machine, on vend les meilleures de l'Ouest. Je te le garantis. D'accord. Je passerai peut-être. Enfin, si t'arrives à ouvrir ces foutues portes, hein. Et attends, que de toute façon, je me retrouve sans internet, vive le changement d'opérateur, donc ça se passera pas tout de suite. La seule à vouloir que ces portes s'ouvrent. Ça embête pour les phases de l'event, par contre. C'est elle qui a éliminé les machines. Comment elle s'appelle ? Comme je disais, t'as pas d'inquiétude à te faire par rapport à ça, dans le sens où... Ouais, contrat de récupération, ok.
Quand Ferrider qui est ouf, ok. Dans le sens où tu peux les commencer quand tu veux. Hein. Ouais, c'est au-delà de l'Ouest, c'est au-delà de l'Ouest prohibé. On a une mission ici, une quête ici. Et une zone de chasse. Ouais, quand même grand. Et encore, on est que au début. Et là, il y a un truc intéressant. On va pas la suivre de suite. Ouais, dans les villes, par contre, je sens que c'est chargé. Hein. Je pense qu'il y aura des patchs d'optimisation qui sont prévus pour Forbidden West, parce que là, c'est pas encore totalement clair. C'est correct, mais pas totalement clair. Hop. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Ça t'intéresse? Pas toi? Eh bien en fait, non. Ma journée était déjà pourrie et voilà que ces deux débiles ont choisi d'escalader cette foutue montagne pendant mon service. Ce serait pas si grave si ce type était pas si lourd. Attends, tu as dit deux? T'es bouché? Ouais, deux. J'en ai entendu une autre crier de là-haut. Apparemment, elle est coincée entre des crocs mortels et une chute mortelle. Quelqu'un a des problèmes. Tu ne vas rien faire? Elle l'a cherché. Et je suis déjà assez occupé avec celui-là. Tu ne comptes pas lui venir en aide? Parce que toi, oui. Quelqu'un a des ennuis en haut de cette falaise. Eh ben allons-y! Bah. Ah on est bon. Eh bah escaladon. Ouais, je peux passer par là. La Vernonie, très bien. Garde qui en a marre de sa journée. Ah bah il est pas payé pour sauver les gens, il est payé pour surveiller, nuance. À mon avis, il y aurait un truc en dessous. Dans la flotte. On ira tout à l'heure. Non, pas par là. Par là plutôt. Laisse-moi tranquille, vieux tas d'écrou. On dirait que je suis sur la bonne voie. Mieux vaut ne pas traîner. Et franchement, les environnements sont tellement jolis. Je suis désolé, mais regardez-moi ça, bordel! Les jeux de lumière, tout ça, c'est trop joli. Alors, on peut escalader quand même assez facilement sur pratiquement toutes les parois. Hein. Thank you.
le prochain combat. Parlons peu, parlons bien. Tu es blessé? Ça ira. Tu n'aurais pas vu mon soi-disant garde du corps en montant? C'était dur de le rater. Il est mort. Oh là, voilà ce qu'on gagne à croire. Le premier poivreau de la taverne qui prétend être un chasseur de machines de haute montagne. Oh, au moins, j'aurais pas besoin de le payer. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une ancienne tour de signal. Le mécanisme utilisé est composé d'une lentille spéciale qui peut être très recherchée dans certains milieux. Et comme les Karja ont prévu de les démonter, je voulais récupérer la lentille avant qu'elle soit détruite. Si tu me la rapportes avec les lentilles des autres tours, je te promets que tu ne le regretteras pas. Voilà, là, ça va mieux. Ok. C'est juste que quand Scotch a sauté tout à l'heure, il a débranché le câble de mon micro. Vous inquiétez pas, c'est normal. Tour de signal. C'était une tour de signal. À l'époque, c'était vraiment impressionnant. Les 6 tours, tout illuminées, tout autour des couloirs. Elles servaient à prévenir les gens de l'arrivée des Ténacs. Enfin, pour ce que ça leur a servi. Comme tu t'en doutes, les Karja n'ont pas regardé à la dépense pour les assembler. Je disais, ça tombe bien, j'ai déjà quelques-unes des... J'ai besoin d'un nouveau foyer, avant que les tours soient détruites. Des lentilles. Il y a un bourdonnement léger quand je parle. Attends, je vais écouter, bouge pas. Hop, chaîne. Alors vous allez m'entendre en double un petit instant, mais c'est pas grave. Hop, chaîne. Alors vous allez m'entendre en double un petit instant. Non, il n'y a pas de bourdonnement particulier quand je parle. Pas plus que d'habitude, en tout cas. Alors t'es une voleuse. Alors, t'es une voleuse ? Disons que je suis plutôt une opportuniste, avec un bon sens des affaires. Écoute, les Karja vont démonter les tours de toute façon. Elles n'ont aucune valeur pour eux. Ils essaient juste de faire copain-copain avec les Ténacs. Tu vois, on a lésé personne. C'est une opportunité. Va dire ça à ton copain en bas. Bah, c'est de sa faute. Tu ne peux pas le faire. Écoute, même si je m'étais pas blessée à la cheville, Tu es clairement beaucoup plus compétente que moi. Allez, quoi, je ne peux pas laisser ces lentilles se perdre. Ce n'est pas ce que mon père aurait voulu. Ton père, c'est un voleur ? Enfin, un opportuniste, lui aussi ? Non, il a participé à la création des tours. T'as été sans sabbat. Mourir. Alors c'est lui qui t'a parlé des lentilles. Oui, c'est pour ça qu'elles ont une valeur sentimentale. Parce que je peux trouver. Déjà trouvé, en fait. Eh ben, qui l'eût cru ? On dirait que tu es une opportuniste, toi aussi, hein ? Bon, laisse-moi t'en débarrasser. Voilà qui devrait largement compenser tes efforts. Je suis une commerçante honnête, après tout. Merci. Aloy. Rena. Bon, Aloy. Dès que je serai en état, je retournerai à Cagnard pour que ma cheville se repose. Mais je vais rester un peu, au cas où tu irais me chercher la lentille en haut de cette tour. Je dis ça comme ça, c'est comme tu le sens. Mais tu le regretteras pas. Je verrai ce que je peux faire. Il y a Thor qui dit un côté hypocrite dans cet univers, j'adore. Ah mais clairement. Attends, elle m'a juste payé 45 éclats de métal. C'est 15 éclats de métal. 15 éclats de métal par lentille. C'est de la merde.
suis. On a quoi en bas? Ah, rien du tout, ok. Ah bah oui. Mais ça a été à son Kobayashi. J'ai entendu le bruit de machine. Hein. Passer dans un tour ici. L'attracteur ne marchera pas là-dessus. Non. Voilà. Eh ben, je détruis vraiment tout ici. C'est pas grave, étant donné que deux bases, la tour devait être détruite. L'OST est vraiment top. Hein. Remonter, c'est ici. L'une des tours de signal. Il doit y avoir une lentille que je peux rapporter à Rena. Voilà. La lentille de la soirée. Je crois que je les ai toutes. Allez, Renal est toujours là. Mais je peux descendre complètement par là. Ouais, mais sauf que le problème, c'est que je voulais pas descendre complètement, en fait, j'ai un ticket. Pas rien de remonter, parce que là, le problème, c'est là, ça va me faire descendre tout en bas. Et je veux pas descendre tout en bas. Ah, je peux passer par là. Ils y ont pensé, ça va. Voilà. Tu as trouvé la lentille? Yep. Peut-être. Ça peut se négocier. Ha! Faisons affaire. Et voilà. Ça fait plaisir à voir. Voici un petit quelque chose pour te remercier. Elle me donne encore 15 éclats. Si jamais t'en trouves d'autres, n'hésite surtout pas à me rendre visite à Cagnard. C'est d'accord. À la prochaine. Ouais, je crois que là j'ai trouvé toutes les lentilles. Ah! Ok. Lingot de bronze et éclat de lumière verte. De lune verte, ok. Bon, et en plus de ça, on a une compétence en plus à choper. Comme je disais, on va se spécialiser vraiment en chasseur pour l'instant. Pas forcément de lance-carreau. Mais, de toute façon, j'ai pas assez de points d'XP pour pouvoir acheter les autres. Armes lourdes, why not, mais bon. De toute façon, il faudrait que je récupère, dans tous les cas, ça. C'est quoi, il faudrait que les munitions s'établissent en utilisant moins de ressources que dans la nature. Ouais. L'endurance d'armes plus rapidement, ça c'est bien ça. Et gagner en bravoure plus rapidement également. Celui en bravoure, c'est quoi déjà? Résolution. Limité avec arc. Ok, donc tir renforcé. Qui font dégâts à distance plus 150%. Là c'est quoi? C'est. Dégâts d'armes à distance plus 45%. Santé récupérée par coup 7%. Ok. Dégâts techniques d'armes plus 1%. Et régénération d'endurance d'armes plus 100%. On va voir ce que ça va donner. Ok.
Ça, pour l'instant, je sais pas comment le flinguer, ce truc-là. Non, je ferais mieux de pas y toucher pour l'instant. Il n'y a pas moyen d'aller plus haut. Non, je crois pas qu'il y ait moyen d'aller plus haut. Par contre, est-ce que j'ai pas moyen de sauter dans la flotte ? Quand même, c'est beau, hein. Les jeux de brume, tout ça, sont vachement jolis. On va re-sauter directement par le truc en rappel. Pas grand chose que je fasse ça, mais c'est joli. Pas plus rapide pour descendre. Je suis quasi sûr, dans la flotte, il y avait quelque chose. Donc les tunneliers peuvent nager. Ça le prix. Bon, c'est pas aussi simple que ce que je pensais. Ah mais putain, j'ai plus de flèches, je me disais pourquoi est-ce qu'elle veut pas rééquiper une flèche, mais oui j'en ai plus. Voilà, là c'est mieux. Ok, donc il y avait que ça dans la flotte. Je suis un peu déception. En vrai, je suis un peu déçu. Il y a un deuxième coffre ici. Ok. Peut-être le cagnard là-bas ? Je pense que c'est volontaire, ce nom-là. Je pense que c'est volontaire. Bon, Elta, toi là. Tout s'est bien passé là-haut ? Ça y est, ça va. Pas grâce à toi. En fait, pas vraiment, c'est juste pour faire la conversation. Ne change rien surtout. Gala transporter un Maccabée quand même, hein, le mec. Ok, bon. On a d'autres missions secondaires à l'intérieur de la de cagnard à récupérer. Bon, je dois trouver qui commande ici. Mais d'abord, il faut que je fasse le plein dans ma réserve. Et je pourrais peut-être fouiller un... Tu vas approvisionner, hein. Ça me touche beaucoup, mais je dois travailler. Voilà Erend. Et on dirait qu'il a un coup dans le nez. D'abord, on va... Merde. On va aller voir le gus qui est là. Sauveuse. Tu es mon dernier espoir. Conover. C'est la sauveuse de Méridian, pas la tienne. Appelle-moi Aloy. Qu'est-ce que tu veux ? S'il te plaît, personne ne m'écoute. Mais l'éclipse... Ils sont ici, dans les couards. Vraiment, Conover ? Aloy les a vaincus elle-même. Ne lui bourre pas le crâne avec ses foutaises. Certains ont dû fuir vers l'ouest après la bataille du bûcher. J'ai vu l'une de nos sentinelles,
Larouvik, allez parler avec l'un d'eux. J'ai essayé d'écouter, mais ils m'ont repéré. Et ensuite, Larouvik a essayé de me tuer. J'ai riposté. C'était lui ou moi. Malheureusement, il n'existe aucune preuve tangible qui relie Larouvik à l'éclipse. Comme Conover ne nie pas avoir tué son camarade, Nozar l'a condamné à mort. Pourquoi tu es si sûr que Larouvik collaborait avec l'éclipse ? Eh bien, j'étais trop loin pour pouvoir tout entendre. Mais ils ont tous les deux prononcé le mot éclipse. Pas la défense la plus bizarre que j'ai entendue, mais c'est dans le top 10. Parler de l'éclipse est une façon intéressante d'éviter une exécution. Si je dois mourir, je l'accepte. Mais si on ignore cette menace, d'autres mourront également. Commence par le début. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Il y a quelques semaines, pendant la relève, des intrus ont réussi à passer la porte. Quand on les a repérés, ils étaient presque sortis du canyon. Nozar n'a pas jugé bon de les poursuivre. Il a dit que les Ténacs s'en occupent. Nozar est quelqu'un de responsable. Il a renforcé les patrouilles et réprimandé les sentinelles, et tout a repris normalement. Oui, mais moi, je n'arrêtais pas d'y penser. Aucun d'entre nous n'est négligent. Ce qui veut dire que quelqu'un a volontairement laissé la porte ouverte. Et Larouvik, eh bien, il passe son temps à se plaindre des officiers. Mais cette fois, il n'a rien dit. Et après l'incident, il se comportait de façon bizarre, agitée. Alors quand je l'ai vu en train de se faufiler hors des bâtiments un soir, je l'ai suivi. Je l'ai trouvé. Il s'est disputé avec un étranger. Et quand Larouvik a parlé de l'éclipse, j'ai essayé de m'approcher, mais il m'a entendu. L'étranger a filé et Larouvik s'est jeté sur moi avec un couteau. Mon instinct a pris le relais. Les sentinelles ont entendu, on m'a trouvé debout près de son cadavre. Pourquoi tu ne le crois pas ? On a fouillé les bois, ainsi que la couchette de Larouvik, plusieurs fois, et on n'a rien trouvé. Écoute, Conover est un type bien. Je crois pas qu'il ait assassiné Larouvik sans raison. Mais Nozar ne s'intéresse qu'au fait. Et le fait est que Conover a tué un de ses camarades. Il l'a pas nié, pas vrai ? Non, mais... il y a d'autres fanatiques de l'éclipse. Et étant donné qu'aucune preuve n'a confirmé la présence de l'éclipse, enfin, on ne peut pas interroger un mort. Nozar s'inquiète au sujet de l'ambassade, et il veut surtout pas de distraction. Mais bon, si tu trouves des soldats de l'éclipse qui mijotent quelque chose dans les bois, n'hésite pas à nous le dire. On sent quand même que pour Forbidden West, ils sont beaucoup plus inspirés de The Witcher au niveau de, des quêtes et ce genre de choses. La rencontre que tu as vue, tu as entendu quelque chose au sujet de leur plan ? Non. Mais la clairière où ils étaient est à l'est, de l'autre côté de la rivière. Il y a une dizaine de soldats qui l'ont déjà fouillé, Conover. Il n'y a rien du tout. Je peux voir des choses que personne ne voit. Si l'éclipse est dans les couards, je les trouverai. Merci, Aloy. Le soleil bénisse tes recherches. Ne t'emballe pas trop, soldat. On va y passer. Allons voir ça. Juste à l'est, et ben let's go hein. T'as 100 mètres, juste en face. Let's go. Écureuil, un petit raton laveur. On est dans la zone de recherche. C'est sûrement la clairière où Conover dit avoir vu l'éclipse. Des traces de sang. Commençons par là. Je vois où tes traces de sang. Ah oui, là. Sans une main frais, la tache correspond à une blessure à l'arme blanche. Une blessure tout court en fait, hein. Je suppose que c'est ici que Conover a tué ce garde. Mon focus pourra peut-être me dire s'il y avait vraiment une troisième personne. Mmh.
Marque profondément au sol, impossible à quantifier. Je vois les pistes des soldats Karja qui ont fouillé la zone. Ça ne m'aide pas. Ouais. On piétiner la zone, c'est vrai que pour trouver des traces de pas, ça va être compliqué. Des branches brisées. Il y avait quelqu'un ici ? C'est pas une petite blessure vu tout le sang, bon, en même temps le mec il est mort, donc bon oui en effet c'était pas une petite blessure. Des empreintes. Elles s'éloignent de Cagnard. Je suis senti visiblement. Suivre avec mon focus. Voyons où ça nous mène. Peut-être que Conover n'a pas menti. Ok, et eh bah ben allons-y. Hein. On va y aller doucement. Quand même des. J'ai perdu la piste. Il y a trop de machines par ici. Je peux peut-être retrouver la piste un peu plus loin. On est toujours à la recherche d'un creuset dans le coin. Vas-y, viens là mon coco. Jacques, tu m'as aperçu, viens là. Ou alors t'es juste bloqué par le câble de machine et résultat t'es trop con. Ok bon. Hop, on récupère quand même, hein. On loot. Ah, donc ça y est, CIG annonce le PTU. Ok, donc ça avait commencé un sermon sous peu. Et résultat, ça veut dire je pense qu'on va aller sur assez plus rapidement que prévu. Ok. On termine cette mission et on va sur Star Citizen. Je pense. Attaquez pas le bestiole. Denis, on dirait des loutres géantes. Oui. J'aime beaucoup le design des machines dans Horizon. Encore des machines au-dessus. Mais il va en dessous. Là. Des bandages. On dirait que le fuyard a voulu soigner ses blessures avant de continuer. Je devrais pouvoir suivre sa piste.
C'est bon, ça grille, cette fois j'entends aussi. Alors attendez, bougez pas. Peut-être pour le coup, mon micro. Là, ça va être mieux, non? Ça devrait être mieux pour vous. Ça va mieux, ok. Bon. Juste que j'avais mal branché le micro. Où est-ce que tu es passé? On voit très bien Cagnard si on veut. C'est parti par là-bas. Ouais, c'est tout à l'heure quand Scotch il a sauté de mes genoux, sa queue a fait bouger la fiche de mon micro. Là, c'est pour ça que ça... Il y avait un bruit pas forcément agréable. Non, tu te fous de ma gueule, j'ai visé le point faible. Ah, oui. J'ai un erreur quand même, hein. Celui-là est mignon, mais bon, il manque un peu de peps. Ok. On récupère. Et bah allons-y. Non, allez s'il te plaît, merci. Est-ce que... D'accord, en fait c'est pas par là qu'il faut que je passe, c'est par ici. Bien noté. Un peu capricieuse des fois, Aloy. Hein. C'est utile pour faire des teintures. Cet endroit ferait une cachette idéale. Ouais, c'est visiblement un tunnel. Tunnel routier. Le van qui s'est fait attaquer par ça, un corrupteur, ça je reconnais. C'était un corrupteur. En effet, membre de l'éclipse. Mais on n'est pas sûr que la rubis soit mort. Il ne s'est pas montré au point de rendez-vous. Mais cet imbécile de garde l'a tué. Il va essayer de gonfler. On a juste à faire sauter les portes pour passer. Et ensuite, Rayad était notre seul lien avec Vezret. Et lui aussi. On trouvera nous-mêmes Vezret s'il le faut. Mais avant, il faut traverser Cagnard. À la prochaine relève, on y va avec perte et fracas. Connover avait raison. Je dois les arrêter avant qu'ils ne fassent d'autres victimes. Tu te sens bien? Sont les autres. Attention.
La triple flèche dans la tête, ça a pas fait du bien, ça. Hein. Alors lui, il a un casque. Vite les munitions, hein. Voilà, t'as plus de masque, tu fais comment ? Tu meurs. Je les ai tous eus. Mais il doit y avoir d'autres soldats de l'éclipse au-delà des Quarres. Si ce Rayad était leur seul contact avec eux, il a peut-être un focus. Il pourrait me dire où ils sont. Cale de Rayad. J'ai vu qu'il était derrière. Là. Je suppose que c'est Rayad. Mais je le savais. Rayad a un focus. Évidemment. Chers adeptes, si vous voyez ceci, vous avez quitté l'Hélium en quête d'un nouvel objectif. Votre périple touche à sa fin. Suivez le soleil au-delà des portes de Cagnard. Et baignez dans le crépuscule de votre conquête future. Un nouvel empire vous attend. Je vais devoir aller voir ce Vezeray et tuer son nouvel empire de l'éclipse dans l'œuf. Il y a des coordonnées ici. C'est après Cagnard. Ok, bon, résultat, c'est-à-dire que la suite de la mission ne se fera que... Le masque de Rayad devrait suffire à prouver l'innocence de Conover. Il faut le rapporter à Cagnard. Après l'ouverture du... des portes. Faut attaquer dans l'eau. On a repoussé l'éclipse des méridiens. Je pensais qu'on en avait terminé. Alors uniquement quand ils ont papier. On trace. On rentre à Cagnard, on rend la mission et go Star Citizen. Ça aurait été un stream ultra rapide sur sur Horizon, mais bon. Ça meshing oblige. Ah, vu qu'ils vont se faire, je suis en combat, je peux pas sauvegarder. Bon, c'est pas grave. On trace. On trace. Oh, on a vu le LOD qui s'active. Voilà vers Lani. Ok. On descend de façon un peu abrupte, mais ça fonctionne, c'est l'essentiel. Ok. Petite heure de gameplay, c'est mieux que rien. Oui, c'est vrai. Ah, puis de toute façon, là, on est encore sur les quêtes secondaires, là. On avance un petit peu dans le principal, mais... Vu qu'on n'est pas encore sorti de la zone de début... Les Quelons du berceau de la mer, comme je le disais dans, tout à l'heure, hein, par rapport au premier opus.
Là, on n'est pas pressé par l'histoire. Et, au passage, est-ce que t'aurais pas un câble explosif, arc de guerrier rapide? Non. Pensais, mais non. Gantelet déchiqueteur tranchant. Lame chargée utilisant des munitions de déchirure. C'est pas mal ça. Une alarme chargée avant de tirer. Pour plus de dégâts, la déchiqueteuse se recharge chaque fois que vous la rattrapez. Les dégâts augmentent. Ouais. Une arme de déchirure complète en fait. Ok. Ce qui peut être pratique pour retirer. Oula. Pour retirer les pièces d'armure d'un ennemi. Voilà Erend. Et on dirait qu'il a un coup dans le nez. Comme d'hab, hein, il picole, Erend. On le savait très bien. Non, c'était en dessous. C'était là. Regarde, soldat. Elle est de retour. Aloy, tu as trouvé quelque chose? Des fugitifs de l'éclipse campaient de l'autre côté de la forêt. Ils se préparaient à prendre d'assaut Cagnard pour passer. Tu as sauvé de nombreuses vies. Aloy, tu sais bien que je te crois. Mais Nozar, tes mots ne suffiront pas à le convaincre. S'il a besoin d'une preuve, montre-lui ça. Et dis-lui que l'homme qui l'a incarcéré a risqué sa vie pour révéler et éliminer un espion de l'éclipse. Ah, finalement, tu es bien sa sauveuse. Félicitations, soldat. Tu es un homme libre. Tu pourras sortir d'ici avant la nuit. Je transmettrai ceci à Nozar. Ça y est alors. C'est la fin de l'éclipse? Presque. Les intrus dont tu as parlé, qui ont traversé Cagnard il y a quelques semaines, leur chef est dangereux. Et il est là-bas, dans l'Ouest prohibé. Il constitue une armée. Par le soleil, tu vas y aller pour l'arrêter, n'est-ce pas? Je vais essayer. Je veux t'aider. Je peux me battre. Je sais bien. Mais tu as beaucoup souffert. Une fois sorti de cette cellule, profite de ta liberté. Tu le mérites. Élimine les sauveuses. Bon, ça c'est fait. Résultat, trouvons un feu de camp. Il y en a un juste là. Parfait. On va save et direction Star Citizen. Parce que voilà. Hop, sauvegarde manuelle. Pif. Oui. Nickel. Quitter. Oui. Bref. Donc, comme je le disais, je vais faire un petit cut au niveau du stream. Et attention au bas. Sarah Meshing, c'est quoi déjà? Et l'hangar perso, ça arrive en 3.23? Oui, ça arrive en 3.23. Et Sarah Meshing, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir transiter d'un serveur à un autre sans même s'en rendre compte. Sans transition visible pour le joueur. Je rappelle, par rapport à ça, Aube, j'ai fait une petite vidéo qui en parle, qui date d'il y a 3 mois, mais qui est toujours d'actualité, et qui est encore plus d'actualité au vu de ce que CIG est en train de tester actuellement. Je passe le lien. Serveur Meshing. C'est une vidéo qui fait même pas 10 minutes, elle fait, je crois, 8 minutes 30. Voilà. Le nom de la vidéo, c'est le serveur Meshing, c'est quoi? Je pense que je peux pas être plus explicite que ça. Donc je fais un petit cut au niveau du stream, histoire de pouvoir gérer plus facilement les replays de mon côté. Et je vous retrouve dans quelques instants pour du Star Citizen. On sera ensemble jusqu'à 23h pour tester justement le Serra Meshing, puisque CIG est en train de déployer actuellement un tech preview sur le Serra Meshing. Donc je vous dis à de suite. Bref, pour les personnes qui sont sur le replay, j'espère que ce petit replay vous a plu. Si c'est le cas, encouragement à me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter, Twitch, YouTube et Insta. Tous les liens importants sont sur le stream et dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent s'en rappeler sur YouTube, comme je le disais. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.